Sport Football Cannes 2013, les Aigles du Mali ont débuté cet après-midi la première phase de leur stage de préparation. Il s'agit bien de préparation pour la Cannes 2013. Sept joueurs manquent à l'appel, mais le sélectionneur espère avoir sous la main tous les joueurs présélectionnés dans les heures à venir. Khalifa Nama Traoré est allé leur rendre visite. C'est un groupe de 20 joueurs qui a pris part au premier regroupement de l'équipe nationale. La bonne ambiance était au rendez-vous lors des quelques ateliers dirigés par les différents membres du staff technique. Pour son premier contact avec les habitués de la sélection, Moula Ouagé ne s'est pas senti dépaysé, alors que Siramari Diarra, qui a pris part à bien des éliminatoires depuis septembre 2006, est impatient de jouer sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est un grand plaisir de représenter mon pays d'origine. Maintenant, voilà, j'ai tout à prouver et de leur montrer de quoi je suis capable. Et j'espère que cette compétition me servira de beaucoup d'expérience. Vous prenez part à un premier regroupement. Et comment vous avez trouvé le groupe? Très très accueillant. Les gens sont très gentils et tout le monde se parle. Et d'un côté, je connaissais un peu quelques joueurs parce que voilà, j'ai évolué quand même en Ligue 1. Et qu'est-ce que les anciens vous ont dit? On a beaucoup parlé. C'est toujours un plaisir de revenir, de porter les couleurs et d'essayer de faire mieux que la saison dernière. C'est vrai que l'année dernière, on a mis quand même la barre haute. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a les capacités et les qualités individuelles et collectives pour aller jusqu'au bout. L'ambition reste la même chez tous les joueurs. Faire mieux que la dernière CAN au Gabon et en Guinée équatoriale. C'est une CAN très très importante pour nous parce qu'on a fini troisième la dernière. Donc on a cœur de faire beaucoup mieux. Même si on sait qu'il y a une coupe, c'est pas comme le championnat. C'est pas toujours le meilleur qui gagne. Mais bon, on va essayer de faire le maximum, d'être solidaire, d'avoir l'envie comme on a eu au Gabon et Guinée équatoriale. Et après, on va prier pour que la chance aussi soit avec nous. Vous savez, cette CAN, tout le temps, on va à la CAN pour faire mieux que la précédente. Maintenant, notre ambition, c'est de gagner des matchs. On n'a pas d'objectif précis. Maintenant, on va aller en Afrique du Sud pour honorer la meilleure des manières possibles les couleurs de notre pays. C'est comme une famille, on s'entend tous très bien ici. On espère vraiment faire une grande chose à la CAN, Inch'Allah. On est content de se retrouver et on est content de penser pouvoir participer aux phases finales. Avec les joueurs qu'on a et la motivation qu'on a, ce serait de remporter la Coupe au Mali. Moustapha Yatabaré a été ménagé alors que Mahamadou Diarra Dila, Cheikh Tidiane Diabaté, Modibo Maïga, Mohamed Lamine Sissoko, Samba Diakité, Abdou Traoré, Mamadou Samassa sont attendus. Les Aigles doivent avoir des séances d'entraînement au stade Modibo Keïta et Mamadou Konaté avant un match amical contre une sélection locale mardi. Voilà, bonne chance aux Aigles dans cette CAN 2013 et je rappelle que vous pourrez suivre les matchs en direct sur l'ORTM.